Isabelle Goujon de ACID. Je travaille actuellement sur une mission qui s'appelle COP Connect, qui vise à réfléchir à la possibilité d'émergence de tiers-lieux en PACA et en particulier sur la problématique des zones rurales. En fait, il s'agit de pouvoir s'appuyer sur des lieux existants, qu'il s'agisse d'espaces publics numériques, de pépinières d'entreprises, faire évoluer ces lieux afin qu'ils permettent d'offrir des possibilités de télétravail, voire d'espaces de coworking en milieu rural, autour d'un service d'internet à très haut débit et d'un point visioconférence, pour permettre d'une part à des travailleurs d'éviter des déplacements, par exemple, qui permettent aussi à des indépendants de limiter l'isolement et puis de se retrouver avec d'autres et surtout qui permettent d'optimiser les lieux et les services financés par le public. Il y a des points visio qui ont été par exemple dans le 05 qui ont été mis en place et qui pourraient aussi servir dans leur temps de non-utilisation à des travailleurs, et pour l'instant c'est pas forcément le cas. C'est essayer de regarder sur PACA ce qui existe, les envies sur les territoires et les besoins des personnes sur les territoires. Pour l'instant on est dans une première phase d'étude pour débroussailler ça. On travaille donc en collaboration avec Arsenic en PACA, avec Johan Durio et Zoomacom, avec LBGM Work Lab et Néonomade et donc Nathanaël Mathieu, etc. C'est pour ça aussi que je suis venue ici, parce que pour l'instant on s'est été contacté online, mais ça permet aussi le tour de France du télétravail, ça permet aussi de se rencontrer en vrai. On a beau être convaincu du numérique, c'est quand même bien aussi des fois de pouvoir se voir.